Et là, c'est pas le mouvement du soleil, c'est le mouvement de la Terre que vous voyez. Non, parce que le soleil tourne sur lui-même en un mois, c'est très très lent. Mais ça fait très lent. Différence. Oui, mais là, on le voit pas parce que c'est l'équivalent du diamètre de la tâche tous les jours, à peu près. Ah, donc en 24 heures, c'est l'équivalent du diamètre de la tâche ou un peu plus. Donc là, ce que vous voyez, c'est simplement notre mouvement. Hier, je vous ai dit qu'on se déplaçait à 900 km/h vers l'est. C'est ce mouvement que vous voyez. C'est ce qui fait que le soleil se lève le matin et se couche le soir. Une question, les planètes les plus grosses, elles tournent plus de temps à tourner que la Terre ou pas? Au contraire, plus la planète est grosse, plus elle tourne vite. Effectivement, Jupiter et Saturne, les deux grosses planètes, tournent en 10 heures à peu près. Ah, vous voyez là, petit à petit. Et au contraire, les planètes petites comme Mercure tournent tout à l'heure. Christopher, cet après-midi, vous montrera une vidéo au planétarium. Vous verrez la rotation des planètes. Et la plus petite Mercure, la plus proche du Soleil, tourne très très lentement sur elle-même. Voilà, la tâche disparaît. Il y a une chewing-gum. On est obligé de dire, Kevin. Je crois que en fait, on s'en fout.